championnat de l'Assomption avec le club de patinage artistique. On est avec les coachs, puis on se demandait comment va l'équipe de l'Hebdo Rivenor pour l'instant. Est-ce que c'est peine perdue ou il y a de l'espoir? Bien, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ils ont été des bons patineurs, des bons élèves, puis ils ont essayé. Des bien essais, oui. C'est vrai. Ils sont très réceptifs. Ils ont toujours essayé, puis ils ont... Mais le meilleur, c'était le plus... comment il s'appelle? Le plus jeune. Celui-là qui m'arrête trop beau. Daniel. Qu'on voulait être la meilleure, il fallait pas juste faire de l'entraînement sur glace, il fallait faire du hors-glace, mais aussi de la danse, on fait du cardio. Est-ce que tu fais tout ça? Oui. Oui, tu fais de la danse? Non, je fais pas de la danse, mais je m'entraîne avec mon père. OK, puis tu t'entraînes avec ton père. Donc, papa doit être en forme aussi. Oui. Il y a des rumeurs qui disent que vous seriez peut-être des championnes? Ben, peut-être, on sait pas. On va aux provinciaux, mais c'est pas... C'est ça, on n'a pas fait la compétition. Ouais, encore. C'est quand la compétition? Le 23 mars. Oui. Le 23 mars, ça se fait à quelle place? C'est à Mascouche.